du lait caillé. Du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait autant des lèvres venir l'eau comme les cailler. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé et ça marche à détester. Oui, je suis Théa Nougaro, l'une des filles de Claude. Bah, ce sont mes grands-parents qui ont acheté une dune au départ. En tout cas, voilà, mes grands-parents ont fait construire ici cette maison. Et bien, mon père venait ici pour prendre notamment des cours de chant avec sa mère. Et puis être soit en famille, soit isolé pour écrire. Le gardien de phare, voilà, c'est une chanson qu'il a écrite en étant inspiré par l'île de Ré, évidemment. Et puis Armstrong aussi, qu'il a écrite ici. Ben, c'est un rendez-vous oui, qui a lieu à la Java des Baleines pour la première fois. Donc l'équipe m'a contactée pour me proposer d'organiser un événement voilà, pour célébrer mon père. Donc j'ai accepté, évidemment. Voilà, c'est un lieu qui est vraiment magique parce qu'on y... C'est un lieu de rassemblement très familial, c'est presque finalement le cœur du village de Saint-Clément. On y mange, on y boit, on y danse, on y chante. Voilà. Et donc on a organisé ce petit festival en 2 jours. Donc le premier jour, ce sera un échange, enfin il y aura un atelier pour les enfants autour d'un livre CD que j'ai... que j'ai fait pour donc les enfants, pour faire connaître mon père aux enfants, parce que je pense que c'est beaucoup de textes pouvaient vraiment parler aux enfants. Je l'ai découvert avec ma fille, ça entre autres. Et puis ensuite il y aura un échange entre François Pécheux, pardon, qui est journaliste, qui a une maison ici, Laurent Ballandra, qui est auteur et qui a écrit plusieurs ouvrages autour du répertoire de l'œuvre de mon père, et moi. Donc il y aura un échange qui sera ponctué par des intermèdes musicaux de Mousse et Hakim, voilà, que j'ai contacté, qui ont accepté de se joindre à nous sur ces 2 jours. Et donc ils chanteront pour le vendredi 5 des chansons du répertoire de papa. Ils seront accompagnés par leurs musiciens et par Bézo, qui est un jeune artiste trompettiste, voilà, virtuose. Et le lendemain, ce sera Mousse et Hakim, donc, qui chanteront, qui feront leur spectacle qui est en tournée actuellement, Les Darons de la Garonne, qui est un spectacle autour de textes en fait, qu'on leur a confiés, enfin que ma tante leur a confiés, qui sont des inédits de papa qui n'ont jamais été mis en musique, il n'a jamais chanté, qu'on a retrouvé dans des carnets voilà, qu'on a épluchés et desquels on a extrait des pépites comme ça, qu'on leur a confiés. Et ils en ont fait, ils les ont mis en musique, ils en ont fait cet album, Les Darons de la Garonne, qui est un superbe album, très, très festif. Et ils vont voilà, se marier parfaitement avec l'environnement de la Java des Baleines. Voilà, ça, ce sera le samedi 6 qui aura ce spectacle. Voilà, le concert. J'avais une chanson à choisir qui n'en est pas vraiment une, finalement. C'est Plume d'Ange, qui est un conte musical voilà, que j'adore écouter, réécouter, faire écouter. Mais un détail me vient aux lèvres, le lait caillé n'est pas de chèvre, la saveur fâchée l'oublier. Du lait caillé, j'ai commis une erreur de prix. Le lait caillé, les darons de la Garonne, qui est un spectacle autour